département la Tibonite, département centre nord ensemble avec nord-ouest en bas gros menace la pluie. C'est le responsable protection civile là dans Kasa Alima des populations pour être veatif. Yon présumé bandi qui fait partie de base grand griffe prend bois calé dans mes populations Kafoufeye dans deuxième circonscription Port-au-Prince samedi 17 juin 2023. Individu ça joindre la molle après le fin prend balle dans échange ensemble avec la police dans localité Savane Pistache. Agent PNH sous deux pieds militaires dans cadre intervention yo a mené dans parage village dédié dans objectif ça pour démanteler réseau gang 5 secondes. Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs dirigeants yo dans recommandement confirmé nouvelle là et bien fait qu'on est force de l'audio craser plusieurs cailles criminels yo te kon utilisé pour que yo caché. Conseil l'ordre avocat dans Port-au-Prince sanctionné maître Caleb Jean-Baptiste pour ne pas exercer profession en tant qu'avocat pendant 6 mois. Conseil la prend décision ça après le fin observer maître là dans une vidéo qu'a bail l'ordre pour arrêter Yael Johanna Clérier Zurek, yon comportement qui contrait ensemble avec principe profession d'après conseil là. Dirigeant groupe rapatrié ak réfugié yo paraît pour célébrer journée réfugié 19 juin. Eh bien, peuple haïtien, diverses activités prévoient dérouler dans l'occasion, parmi eux, yon conférence, débat, spectacle théâtral, sous question migration, pour citer ça yo seulement. Occasion ça, pour gars, présenter rapport mensuel yo, dans mois mai qui saute passé à là, eh bien, gagnons total de 25 459 migrants haïtiens qui retournent dans le pays d'Haïti, gè 10 837 moun, sous 13 000 là, d'ailleurs, qui rapatrié dans point officiel d'après responsable communication gare qui c'est Sam Guillaume. Eh bien, qui t'a présenté rapport si là, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans Kasa, li mande ensemble avec gouvernement pour porter assistance yo bay rapatrié. Donc, sous initiative collectif avocat kap defend doa moun kado, eh bien, environ 500 prisonniers dans prison civile Port-au-Prince recevoir yon placho vendredi 16 juin 2023. C'est un geste solidarité dans situation difficile prisonnier dans centre carcéral sa yo a fait face d'après responsable Kadoa qui se maître Rémi Arnel qui encourage citoyens dans l'autre juridiction pour capable faire même geste ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans le journal Tout Haïtien Connecté. Foucault Zami InfoPower qui a présenté ou édition ça. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Zami Paou. Mesdames, mademoiselles et messieurs, après gouvernement dominicain fin refuser demande Canada pour installer un bureau en République dominicaine pour supporter eh bien sécurité pays d'Haïti, faut que moi di ou pays Canada kou el yé là a cherché yon lot espace pour mettre bureau à camper pour capable aider institution police là faire face ensemble avec phénomène insécurité qu'a plongé société a d'après ministre affaires étrangères pays Canada Mélanie Joly qui fait quoi Canada a continué travail avec divers lot pays dans l'idée pour joindre yon espace géographique qui pi proche pays d'Haïti pour capable installer bureau si là gagner groupe cap défend rapatrié ak réfugié yo qui se gare qui annonçait diverses activités pour 19 juin. Eh bien frères et sœurs bien-aimés, occasion pour que gagner en pile activité débat ensemble avec conférence spectacle théâtral sous question migration d'après Sam Guillaume responsable communication et cap défend rapatrié yo invité grand public là vin participer dans coquin chaîne activité ça. Sam Guillaume tenant micro tax 609 activité ça c'est une conférence débat avec un spectacle théâtral débat. Si la tournée autour de migration forcée en Haïti, cause, conséquences et perspectives de solutions durables, nous avons gagné dans le cadre de la conférence de débat
trois intervenants. Nous avons gagné Laura Delza, qui est coordonnatrice protection dans OIM. Nous avons gagné Junior Rémi Mauvais, qui est chargé de liaison UNHCR. Et nous avons gagné, en dernier lieu, avec nous, Madame Danielle Magloire. Après la conférence, nous avons gagné une prestation théâtrale. C'est un monologue avec le comédien Jacques Sander-Sébéus. C'est une adaptation scénique de un roman que l'écrivain Pierre-Michel Chéri écrit, qui est Bébé Golgotha. C'est un roman qui mettait en évidence question voyage irrégulier dans le pays d'Haïti avec question identité, deux problèmes majeurs que le pays d'Haïti a confronté depuis longtemps. Nous avons invité le public là en général, étudiants, jeunes professionnels, tout le monde qui est intéressé avec la question de migration, capable de venir lundi à 10h du matin dans nos calongars qui chita col dans le numéro 69 rue Christoire pour partager, pour alimenter échange et garder de près le problème de migration dans le pays d'Haïti. Groupe Cap Apiye rapatrié ak refije yo présenté rapport mensuel yo pou Mwamea sou activité migratoire. 25,459 migrants haïtiens retournés dans le pays d'Haïti. 10,837 sous 13,000 là-dedans yo rapatriés dans point officiel yo d'après responsable communication Gala qui c'est Sam Guillaume qui t'a présenté rapport si la défenseur droit migrant yo dénoncé conditions malouk haïtiens yo continuer à faire face en République Dominicaine côté jusqu'à présent yo a subi mauvais traitement. Nous recensons un total de 25,459 migrants haïtiens qui retournent, qui pillent sur nous pour moi. Et dans 25,459 migrants haïtiens, ça a gagné 13,000 que ont rapatrié. Et dans 13,000, ça a gagné 10,837 que ont rapatrié dans le point officiel. Et 2550 que vous rapatriez dans le point non officiel. Nous avons rappelé que le rapport ça allait concerner exclusivement la République dominicaine. Donc, 25 000 personnes que nous avons parlé tout à l'heure, c'est de 25 000 personnes qui sont en République dominicaine qui entrent en Haïti. 13 000 personnes rapatriées, c'est 13 000 personnes que la République dominicaine rapatrié en Haïti. Gagné 9,261 migrants haïtiens qui retournaient pour compte dans le pays. Qui t'a vivre Saint-Domingue et qui décide de rentrer pour compte par yo. Là-dedans, yo gagné 6,633 qui retournent dans le point officiel yo et gagné 2,628 qui retournent dans le point non officiel yo. Gagné 2,811 migrants haïtiens qui t'a tenté d'entrer en République Dominicaine mais qui pas arrivé à destination et que l'autorité migratoire de République Dominicaine est retournée dans nous. Gagné 1,936 là-dedans qui que vous retournez dans le point officiel, vous avez gagné 875 que vous retournez dans le point non officiel. Nous avons fait connaître que nous recensons pour moi, Méa, un total de 148 femmes enceintes, 53 là dans les rapatriés, 52 c'est de retour spontané et 43 c'est de refoulés. Nous recensons tout un total de 621 personnes qui pas accompagné avec parents. Là dans les 271 rapatriés, 323 retours spontanés et 37 refoulés. Au total, ça fait 25,459 migrants haïtiens qui retournent sous sol là et qui répartis comme ça. 16,517 garçons, 6,247 femmes, 1,608 petits garçons et 1,087 petits filles. N'a fait connaître que la situation migrant haïtien en République dominicaine pas changé maltraitance que était toujours qu'on a connait yo continue à connaître et mauvais traitement yo d'ailleurs sur réseaux sociaux yo, nous rencontrons en pile image choquant qui exprimait qui montrait comment migrant haïtien a monté un calvaire en République dominicaine. Li important pour gagner un focus qui fait sur situation hein, parce que en pile mauvais situation à présenter côté que femmes yo en pile fois dans prison yo subi viol bon côté autorité dominicaine yo soit agent migratoire ou bien moun qui a administré ou bien géré prison yo et
quitte les femmes, quitte les garçons, ils ont subi violence physique et ils n'ont pas de possibilité pour prendre un document qui est important pour eux, donc l'argent, pièces, et tout bien que vous êtes capable de gagner, malheureusement, vous voyez retourner en Haïti deux mains, deux pieds. Ça a quelque temps depuis population haïtienne a monté yon mas wifé. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, dans ça qui gen awè ensemble avec produit pétrolier yo, eh bien c'est pas raté gaz, c'est gaz chè. C'est pas pon fermé sans raison, c'est machan kap van a te kap taye banda. Nan go naïve, gen yon bon ti temps depuis gaz la disponible nan pomp yo, malheureusement population a pa janm ka achete gaz. Après l'état fixé, yon galon gaz vend jusqu'à 800 goud, tandis que nan pompe lan li fixé 570 goud. Pour plus de détails, en nous tande Daniel. Ça gen quelque temps depuis population haïtienne nan ap monté yon masuifé nan sa ki gen awè ak pri produit pétrolier yo. Laisse pas rate gaz, c'est gaz chè, laisse pas pompe fermé sans raison, c'est machan k'ap vann a tè, k'ap taye banda. Nan go naïve, ça gen un bon ti temps depuis gaz la disponible nan pompe yo. Malheureusement population an pa janm ka acheté galon gaz da nan prix que l'état fixé là. Yon galon gazoline ap vann jusqu'à 800 goud nan pompe, tandis que prix l'état fixé a c'est 750 goud. Ça ki pi paraît bizarre, c'est parce que les plus faciles qu'on y a pour acheter un gallon gaz à terre dans un prix qui est plus bas que dans la pompe. Face à cette situation, si là, divers secteurs en densité indépendante ont levé voyaux pour dénoncer les responsables pompes si là qui entendent pour capable couper coup population. Secteur si là rivé même lancé un pinga à l'endroit propriétaire station essence à yo côté à partir de lundi cap vini là pour toute pompe vendre gaz dans le prix normal que l'état fixé à qui c'est 570 goud. Sinon, il y a prend décision pour empêcher pompe Silao continuer vendre gaz la tête nègre Jean Yapfel Kounia. Devant insistance secteur Sayo dans cité indépendance là, direction départementale ministère commerce et industrie a obligé fouiller boucher dans situation Silao. Dans une note qui sorti jeudi passé à direction départementale ministère commerce là, mandé à tout responsable pompe en dans département pour yo respecter prix l'état fixé pour vendre gaz là. Directeur ministère Silao dans la Tibonite monsieur Brunel Métayer rappelé si qu'il est là sorti après gros rencontre qui était déroulé entre autorités en dans département côté y a envisagé qui façon pour capable forcer responsable pompe yo respecter communiqué direction si la responsable pompe gaz yo bien pour obligation vendre gaz là nan prix normal là sinon yo capable tomber en bas gros sanction. Nan ti pale n te gen a kek responsable pompe gaz en densité a, tout a fait quoi raison ki la cause yo vann galon gaz la nan prix si la, c'est parce que toujours gen gros difficulté pour capable passer à camion gaz yo. Sur route nationale numéro 1, a, chaque côté y a passé, surtout zone qui contrôlé par groupe armé yo, c'est négocié yo négocié pour capable river avec gaz la nan pompe yo en densité a. Yon raison ki pa kembe bon côté en pile moun en dans population a, parce que gen autre commune côté gaz la ap van nan pri l'état fixé a qui passait même côté à camion go naïve yo. En tout cas, yon dossier n'ap suiv pendant toute semaine nan pou nou konnen comment ça pralier nan go à la traka pou la vekayte nan peyi si la. Collectif avocat k'ap défann dwa moun yo distribué vendredi 16 juin Placho bay environ 500 prisonniers dans prison civile Port-au-Prince là. C'est un geste solidarité dans situation difficile prisonniers dans centre carcéral yo a fait face d'après Kadoa met Anel Remy qui encourager citoyens dans l'autre juridiction yo pour capable faire même geste là tout. Je viens là son plaisir pour nous. Parce que nous-mêmes, au niveau cadeau, nous venons là, c'est parce que bon initiative que nous prenons, qui c'est garantir la manger aujourd'hui dans la prison. Et ceci de conseil avec tous les avocats qui sont là, parce que tout avocat a contribué. Ce n'est pas en question de M. Intel. Dans l'honneur, dans l'orgueil, nous tous mettons ensemble, nous faisons ça. Pour qui ça nous fait? C'est parce qu'après plusieurs constats dans les centres carcérés ou bien dans le pénitentiaire, nous voyons que. Moun yo pa manje. Yo pa manje bien. Yo pa manje bien. Yo manje oui, yo manje quelque chose. Mais yo pa manje bien. Je dis à nous-mêmes nous dit ah mon cher, pourquoi ne pas prendre cette initiative en donnant une nourriture de qualité pour une journée parce que nous pa gen cob.
nous pas capable 3750 moun manger, mais nous même nan ti kaka an que nous dans poche nous, nous dit bonne fête tige ça. Parce que écoutez, le ou ap tande cas de décès en prison yo. Pour qui ça? Pour grand goût, pour chaleur, pour malnutrition, pour mauvaise condition de détention. Attention, vous dites tout. Écoutez, côté l'État, pour moun manger correctement, il faut gagner 2000 gouttes par jour. 2000 à 2500 gouttes par jour, on bon manger. Un prisonnier gagne 206 gouttes. Qui mange un prisonnier pour aller manger à 206 gouttes? Qui mange de qualité à 206 gouttes? Vous comprenez, non? Donc je dis à nous-mêmes comme avocat, ou après, Kadoa fait un travail extraordinaire. Parce que nous sommes au niveau des commissariats, durant les pays locaux. C'est l'avocat ça qui dans tout commissariat qui a lagué moun. Parce que n'était-ce pas les interventions de cette structure, Dieu seul sait combien de monde qui a pris situation de détention pour un petit prolongé. Nous sommes non seulement intervention dans le commissariat d'Elman, lagué 20 moun, 26, merci. Mais je dis là. Oui, justement, mais 19. Je dis là, nous disons, nous, on ne pas arrêter dans le système seulement dans le commissariat. On allait, on font un geste manger. Mais je dis là, nous décidons, pour ton petit la manger là. Et j'en dis là, nous avons fait photo, peut-être que manger à travers en dedans, mais par respect pour la dignité des prisonniers, nous ne sommes pas d'accord qu'on fait manger, fait photo manger. À la traque pour la vécaïté, papa. Bon, vous connaissez. Et nous mangez bien, bonjour. Manger quand même. Gen Jean-Paul lundi, yon responsable collectif avocat kap défend doa moun, dénoncé condition malouk prisonnier yo ap vive nan centre carcéral nan pays a. Défenseur doa moun nan dénoncé et même tant tout comportement l'épée vague autorité yo nan pays a ki lage bien prisonnier yo sans dignité. Donc bagay la grave pe pa isyen. Pour plus de détails, an nou tande. Ça fait partie du travail cadeau toujours à faire. Qui s'est demandé pour que droits prisonniers respectent dans différents centres carcérales pays. C'est parce que un monde est en détention, un monde en prison qui veut dire qu'il n'a pas de droit encore. Là, nous considérons différents centres carcérales qui sont dans le pays, particulièrement puis dans le centre carcéral là, qui est pénitentiaire national, il y a une surpopulation carcérale. Nous toujours tant des cris prisonniers qui ont dénoncé les conditions pour les problèmes de l'eau potable, problèmes de manger, et qui sont malades, qui n'ont pas arrivé, qui n'ont pas accès à soins de santé. Prisonniers qui ont levé voyaux parce qu'ils ont fait plusieurs jours, ils n'ont pas recevoir et ont nourriture. Les gens qui ferment dans la pénitence nationale, ils tout c'est pas monde pour le prince. Imaginez la situation sécuritaire là qui a dégradé. Il y a un pile parent qui n'est pas arrivé, qui n'a pas venu là chaque jour pour porter manger pour les gens qui sont dans la prison. Et les gens qui sont traversés ou pas traversés. Entre le sud-capital là, dans le nord là, Canara. C'est ça que fait Kado fait le devoir pour que lui fait geste ça. C'est un geste de solidarité pour bailler le ton. Pour dire ensemble d'organisations qui défendent les droits de l'homme, l'autre monde qui est dans le pays qui fait partie de la société civile, il est nécessaire pour que vous pensiez à l'homme qui fait maintenant la pénitentiaire nationale. Plus de 3000 personnes, Kado a distribué aujourd'hui environ 500 plats. C'est peu pour effectif l'homme qui est dans la pénitentiaire nationale. Frères et sœurs bien-aimés, coalition ensemble, organisation engagée pour instauration démocratie. Dresser un tableau noir coulant sous des années gouvernement premier ministre Ariel Henry dans pays. Condition population a vinn pi compliqué côté a fait face à toute qualité problème, tankou insécurité, chômage, grand goût et la trier. Secrétaire général Coréidla, Pierre-Antoine Darius, critiqué acteurs concernés qui pas décidé de mettre tête ensemble pour joindre une solution à la crise multidimensionnelle pays d'Haïti a fait face depuis quelque temps. Pierre-Antoine Darius, tap di nou plis, nan micro, tak 609. Nous constatons que chaque jour, situation masse peuple là a dégradé pi plus situation yo a enterré population de jour en jour insécurité
insécurité en vin petite fi pauvreté et nous rivé dans pauvreté tant que moun qui te kon planté a sa kap fè résistance yo pi fò sa yo produit péri sou place. Madame Sarayo pa rete anyen an et si bijak viol jou sou route yo et produit yo krasé pou di yo plate. Donc nous venons pas gagner vocabulaire que nous les production nationale là secteur ça agi mouri yo pas connaît qui c'est pour yo reler encore. Puis fort business dans pays a fermé. Chômage la monté bien haut. Toutes jeunes femmes ak jeunes garçons veulent quitter pays parce que pas gagnon vrai politique. Dirigeant coalition organisation engagée pour instauration démocratie Jean Junior Joachim critique responsable dans gouvernement qui pas fait rien pour améliorer condition la vie peuple là. Jean Junior Joachim dénoncé en même temps certains politiciens qui a profité augmenter richesse sous de masse peuple là. L'étenant micro tax 509. Si ne ou te ka di ça ou ta besoin pour peuple là. Si son travail est fait pour le peuple, si vous avez dirigé ou bien si vous avez gagoté. Ariel Henry vient dire qu'il y a 21 milliards, combien de millions de gouttes? 21 milliards, 600 millions de gouttes pour assainissement. Mon, et cantine populaire, depuis mois de mai, que bagage ça a lancé. Mais je dis à 15 juin. Si tu as fait directement pour le peuple, pour nous faciliter, baisser l'insécurité, ton chômage qui est là aujourd'hui, kidnapping, mais je dis, si c'est ça, au négro, choisi pour le faire, bon, il faut faire des violences. Et dans le jour où tu viens, le peuple a pris la situation. Et même lui-même, même la tourne scorpion, même propre tête, il l'a mordé. Même propre tête, il l'a percé. Si le négro n'a pas choisi, fait ça ou doit faire. Ça ou connaît. Yo connaît pour faire fonctionner. Petit yo faire fonctionner. Madame yo fonctionner. Voyez à l'étranger. Nous même nous condamner. Faut que nous vivre là. Et là pour nous, nous baguer notre pays. Eh bien, ces mêmes gens là, n'est que ça va diriger pour nous. Y a diriger pour tête yo. Eh bien, là au moins nous même, faut que les haïtiens baille réponse avec moun qui a fait yo abio. Qui c'est n'est secteur privé. Qui c'est classe politique traditionnelle. Ça moi gagne André Michel qui a mené. Qui gen l'autre nèg kap menen yo mete yo tout nèg kap dirije la yo et opposition ba ki sa menen et si nous te regardé tout simple avant nèg yo alon accord Jamaïque même ba quoi accord comme ça li pa pourtant rien et si nèg yo t'ap bon bagay son match aller retour kap fait aller retour fait Jamaïque retour pa gen résultat et ben nèg doit garder et tirer la référence pour garder Haïti. Non, niveau, l'idée sont trop bas. Je dis à si mon pas à manger. Non, pays, et l'autre n'est pas gagoté. Mon quoi, n'est pas tiré la référence pour regarder est-ce que le pays a fonctionné ou pas s'il va fonctionner. Pour coalition directement, nous avons trois points essentiels. Nous disons oui, élection. Oui, insécurité. Premier bagaille, pour tout le monde vaquer libre et libre. Et troisième bagaille, bah, mettre l'apaisement social pour le peuple fonctionner, pour nous garder en souffle. Nous ne pouvons pas encore. Si un an passé comme ça dans le pays, et je ne garantis pas qu'il n'y a pas de deux ans, et je ne peux pas coller dans son monde pour manger, moun, et je souhaite que c'est un nègre qui est dans la politique déjà. Yo. Et pas de monde là aujourd'hui qui peut faire nos leçons. Qui est-ce qui est sous pouvoir? À la traka pour la vekaite. Yon présumé bandi qui fait partie de base Grand Griffe prend bois calé dans même population Kafoufei dans deuxième circonscription Port-au-Prince samedi 17 juin individu ça joine la molle après l'été fin prend balle dans échange coup de zam ak la police dans localité Savane Pistache dans même moment ça force l'ordre yo récupéré yon fusil d'assaut Mak AK-47 depuis yon bon bout de temps bandi dans
troisième circonscription Port-au-Prince, pas suspendre terroriser habitants dans Kafoufey pour arriver prendre contrôle zone si là. La police nationale dans le pays d'Haïti confirme force l'audio toujours sous des pieds militaires dans le cadre d'intervention à faire dans le parage village dédié dans objectif pour démanteler raison gang 5 secondes. Ok. Agent PNH yo crasé plusieurs cailles, bandi yo te kon utilisé pour régler les affaires criminelles yo d'après responsable PNH yo qui fait qu'on est la police ap travail pour déblayer quelques espaces sous bicentenaire, yon façon pour faciliter opération policière yo. Continuer. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, bandi grand griffe yo met men an la patte yon individu qui rele Benja ainsi koni, qui se yon alien nan bouk ti rivière la Tibonite. Benja abitye mené gang sa vyen al vole nan zone de Founo jouk rive Grand Hat. Eh bien, Benja fait ti goup gang pal pou la vole nan zone Grand Hat ensemble avec an wo bouk et puis la gecha yo sou do nek grand griffe. Nek grand griffe yo ki vexé vin ganja ensemble avec un zam créole nan men pour bay rapport sous tout sale volé nan non yo. Benja prend en pile patasuel nan men gang grand griffe désir venesse depuis la Tibonite. Abdi nou plis. Lul résistance à coalition soldats paysans dans la Tibonite chaque jour abgoumen pour créer plus confiance nan mitan population en pile moun qui t'est abandonné commune Liankou à commune Verrette qui t'a prend humiliation dans ville Saint-Marc pour kounye a tanmè retourner la kayo suite à dispositif cellule résistance à coalition déjà prend pour permettre libre circulation et fonctionnement business yo dans commune Liankou à commune Verrette sans crainte sans peur. Responsable cellule résistance à coalition en fait quoi yo prend toute disposition pour empêcher bandi sa vient yo sorti si yo sorti c'est sous quoi maman à quoi papa yo y a vinn monter y a ba yo ça yo mérité. Journée hier, cellule résistance chandelle t'a mobilisé plus passé 300 monde, yo t'est arrivé dans localité Morodoué, toujours dans commune Liankou, côté bandit Tigriff ak Grand Griff yo kon sorti pour vinn braquer, à kidnapper, détourner camion marchandise, yo coupé tout rager et même mettre du feu là-dedans yo dans l'idée pour effacer tout espace côté bandit yo ka caché. Nan même moment, population nan Morodoué te longe douet sous Jean-Ronald Petit Homme, yo fait quoi? C'était éclairé en pile moun rele antenne qui konservi Morissette alias Isolant, chef Tigriff la pou vin kidnapper moun kap passe sous tronçon route Mibalea. Pour konye a Jean-Ronald Petit Homme déjà men an kou avec Oudma qui te joine approbation Tonton Baron. Nan ti rivière la Tibonite, bandi bas gang griffio mette main sou yon allié yo ki te kon mené ou al kase kay ak piye businessmoun nan boukla monsieur rele Benja ainsi koni yo fè kwè Benja moute réseau gang pal ak yon zam créole ki el genyen nan braqué ak kidnapper moun et tout chay yo tombe sou nan gang griff. Pour ça yo te maril yo descend nan base ak li yo présenté tankou lè la police a présenté présumé yo à travers la police bandi yo même yo fè allo bandi vidéo a tourner en boucle à travers réseau yo côté Benja a dépalé ça pas fait cas pour bandi grand griffio yo tabali bois calé selon toute dernière information yo moi c'est Désir Venesse ti rivière la Tibonite cité Crête à Pierrot tac 509 19 avril 2023, 19 juin 2023, ça fait 2 mois depuis Neg Axam qui t'a attaqué localité Sousmatla, et bien vice-délégué arrondissement AKEA exprimé tête chargée qui gagnait des actes insécurité qui continuait à valer terrain dans région. Pierre Christian Jean mandé pouvoir central rejoindre dans bataille là pour rétablir sécurité dans arrondissement. Pascal Fleuristil depuis AKEA a dit nous plus détail sous dossier si là. Vice-délégué arrondissement AKEA Pierre Christian Jean déclaré situation sécuritaire dans arrondissement préoccupé après 2 mois attaque nèg exam fait sous matelas. Moun toujours pas ka voyager, activité yo paralysé à cause nèg exam kap simé la troublay sur national numéro 1. Vice-délégué a fait konnen gen réunion kap fait nan niveau région pour établir yon plan sécurité. Toutefois, li kwè exécution plan sa dépend directement des volontés nan pi au niveau l'État pour rétablir sécurité dans tout arrondissement qui menacé de plus en plus ak présence gang yo sur route nationale la.
Pierre Christian Jean mandé augmentation effectif la police dans commissariat ak sous commissariat dans arrondissement Akaya et puis ba yo matériel nécessaire pour yo capable bataille pour déloger pile nèg aksam yo kap terroriser population an. Yon l'autre bord, vice-délégué a dit li gen la peine en tant que autorité pour la garder moun ki coincé dans région qui pas capable déplacer et petit marchand yo non plus qui pas ka al activité yo dans marché Kwabosal ak Kwa des Bouquets. Volonté nous-mêmes dans région 1, doué volonté pouvoir en place là pour nous river combattre insécurité dans toute région 1. C'est ça Pierre Christian Jean déclaré depuis arrondissement Akaye, Pascal Fleuristil, TAC 509. Mesdames, mademoiselles et messieurs, agent Udmo dans le département Nord-Ouest pays, a cadenassé bureau directeur départemental police Nord-Ouest là, lui Edler, il y a 7 dans commencement week-end, il a posé action ça pour protester contre mauvaise gestion directeur depuis là il est installé dans poste si là Jebson Petit depuis Port de Paix Abdinou Place sous dossier si là. Agent unité départementale maintien d'audio cadenassé bureau direction départementale police nord-ouest là monsieur yo déclaré yo bouquet yo pas capable encore alors que gen gros soupçon corruption qui blaye sous direction départementale police nord-ouest là policier qui cantonné dans zone là pas suspend point patasuel dans main bandit grand chemin c'est dans contexte ça idmo yo levé voyo pour capable dénoncer mauvais traitement yo pas suspend sibi en bas main directeur départemental là monsieur Louis Edner Yacinthe, agent unité départementale métier d'audio, yo mandé la main forte bon côté population hein, côté yo faire connaître, yo bouquet et yo même rivé taqué barrière espace qui loge direction départementale là. Dans commencement week-end là, bandi attaqué avec gros armes lou bakop police là dans port de paix dans localité Savane Carré, pas loin Tibradom. Côté gagnon policier qui s'est se touché et puis plusieurs vite dans backup là ta s'est se fait mikalao en bas am bandi policier qui touché a t'est obligé à prendre soin dans un centre hospitalier dans département nord-ouest là attaque ça levé plume sous dos agent Idmoyo et malgré gros frappe ça si nous quoi quelques agents directeur police là pas mandé agent Idmo qui était dans patrouille là qui nouvelle yo pote, selon yon sous policier, actuel directeur police nord-ouest la, pour que j'aime faire une rencontre avec yo depuis que li même li rentre dans tête police la, dans département nord-ouest la. Ça la cause divers policiers mécontents et même mandé départ directeur ya. Jebson Petit, Port de Paix, TAC 509. Mesdames, mademoiselles et messieurs, conseil l'ordre avocat yo nan Port-au-Prince nan yon note qui publié samedi 17 juin condamné comportement maître Caleb Jean-Baptiste qui tape dirigé arrestation madame Zurek nan Pèlerin 5 mercredi passé yon comportement qui contrait ak principe métier avocat après conseil la ki dil observé à travers yon vidéo qui viral sur réseau social yo kote met la bay lord pour arrêter dame nan sans ça barreau Port-au-Prince décide sanctionner maître Caleb pour pas exercer métier avocat pendant 6 mois funérailles d'Anaïka du plan qui était pan tête li nan date qui était 5 juin 2023 chanté samedi 17 là nan présence membre famille ami ak plusieurs condisciples qui était nan faculté droit Port-au-Prince pendant cérémonie funérailles là yon frère d'Anaïka fait historicité jeune étudiante là pour expliquer par kou li ensemble action défiante kon pose pour aider l'autre monde d'Anaïka du plan qui était gen 25 l'année te diplômé tout nan communication journalistique li était toujours baissant pour sauver la vie moun qui en difficulté n'a rappelé d'Anaïka avant te pan tête li te écrit une lettre qui était pour famille pour expliquer raison qui fait le pousser commettre Zaksa. Frères et sœurs bien-aimés, broke nan douane Saint-Marc la paralysé toute activité pendant week-end. Objectif mouvement ça, c'est pour forcer responsable tourner sous décision ou te prend pour augmenter prix taxe sous machine ak malette kap rentre dans pays a. Protestataire yo entend continuer ensemble avec mouvement si là jusqu'à ce que revendication yo passe. Daniel Daniel depuis Saint-Marc Abdinou Place.
Brokiak débadé dans la ville Saint-Marc t'est paralysé toute activité dans la douane Saint-Marc week-end passé. Le campé ça yo venu tout de suite après décision autorité centrale yo prend dans la douane pour augmenter prix taxe sur dédouanement machine yo. Brokiak ça yo qui longe droite yo sous directeur douane Saint-Marc là Mario Monplaisir. Pays a pas dirigé pas administré mais jodi a un directeur qui là c'est Mario Monplaisir qui entend ni qui vient couper pour nous. Camion nous te compte jeune 90 000 gouttes, il passe à 1 500 000 gouttes pendant que directeur Mario là depuis monsieur pas aller je dis à qui ça cap diriger monsieur c'est gang cap fait l'âge dans tout pays là nous même c'est devant douane nous gagner son tête quatre nous gagner mais nous pas gagner zam nous pas gagner balle nous pas dans gang mais je dis à monsieur vini dans ville là pour venir mettre nous dehors Brokiak ça yo qui annoncé il a continué paralyser activité yo dans douane Saint-Marc jeune travailleur ça yo qui fait quoi nouveau directeur douane Saint-Marc là Mario Monplaisir c'est corruption seulement l'a fait dans tête boîte là l'a gérer on coup nek c'est l'autre pour l'a gérer nek bourgeois yo parce que je dis à là Malé, c'est pas qu'à vont machine. Sous vont machine 2000 lignes à la, ils appellent 700 à 800 000 gouttes. Mais ils ont demandé, je dis à la, pour aller en gang, nous pas gagner, c'est à nous. Ok, ce sont tête 4, nous gagnons, mais je dis à la, douane n'a pas de service. Service sur la, sur service qui est vendu à bon service. Je dis à nous, quand on fait devant douane, nous dit, nous pas dans gang, nous pas prendre des armes, nous pas dans base, je dis à c'est ça, nous gagnons, nous fermons jusqu'à nous gagner l'autre. Parce que direction générale, pas nous régler un pour lui, pas oublier, non. Le pays n'a pas dirigé. Mais je dis à nous, quand on nous dit, tout autant, n'est-ce pas tourner avec décision sans prêle ça nous pas tourner sous décision nous fermer jusqu'à nouvel ordre parce que qui ça lit douane n'a gain principe code douane n'a dit c'est à passer 1 an pour gagner une marchandise qui perdit de ville déclarer et mais c'est Mario Monplaisir venir lui dit c'est 3 mois mais qu'il y a pas nous pression faire pression sur nous pour nous saisir dossier pour façon que pour café ou l'argent comment nous t'appeler monsieur douane mi gros naïf pas ouvert même Jean et Miragouane fermé nèg yo vinn yo ba nous pour recette qui doit faire 12 milliards et mais nous 12 milliards sans nous et mais si nous 12 milliards sans nous nous même nous fermer les gon l'état sérieux les gon qui ka fait et il y a condition pour ouvrir pour nous merci OK moi ça m'a petit moment c'est pareil vol qu'a fait là nous même qui vraiment pour acheter une machine pour vendre pour nous 500 dollars sur lui ça va qu'a fait encore dans jeune nèg au campé là c'est dans gang yo veulent nous nèg yo poser nous armes techniquement veut poser nous armes pour nous prendre et n'a vinn c'est nécessaire ces armes pour nous prendre même donc c'est dans ça nous va les rentrer donc les gars bataille avec nous maintenant nous fermons là comme c'est Mac il va représenter dans recette fiscale là parti libérateur haïti plat exprimer préoccupation par rapport à façon pays d'Haïti a gouverné dernier temps sa yo côté pays a plongé dans plus crise dirigeant yo dans stricti politique ça dénoncer communauté internationale là qui toujours a mêlé dans ça dans toute bagaille dans pays d'Haïti et yo impliqué dans mettre pays a dans état lié là yon reportage ensemble avec Jacques Smith pour plus détails. Cette organisation dans la société haïtienne n'a pas suspendu l'enjeu doit être bien long sous communauté internationale là qui semblait pas innocent dans la situation malouk pays d'Haïti a traversé depuis un bon bout de temps. Fois ça, c'est organisation politique Parti Libérateur Haïti là qui dénonce le comportement suspect communauté internationale là affiché face à crise manche longue Haïti a traversé depuis plusieurs années. Roland Moïse, c'est porte-parole et c'est politique là la porte plus précision. N'a pas dénoncé communauté internationale là cap jouer un jouette ou l'aime de bord avec pays d'Haïti. Mais ça l'a constaté à travers de l'Ukraine, yo montre nous qui j'en pays zanmi servi avec pays zanmi. Nous-mêmes nous sorti l'ONU, yo la Guinée-Ouéa, nous sorti Ouéa, yo font passe by Canada, yo Canada tout la colle et bien yo la Guinée qu'on est à venir je dis à nommer CARICOM. Yo profiter des incohérences, des incapacités, des manques de dimension historique, leader politique nous yo que nous gagnons là yo pour capable continuer rouler nous dans farine pour continuer rouler nous debout. Face à la majorité institution important yo qui agit nous dans pays d'Haïti, porte-parole et site politique ça Moïse Roland plaide en faveur yon état généraux pour remédier à situation ça. Et pour sa fête, c'est tout secteur dans vie nationale là qui doit mettre tête ensemble pour aboutir à l'idée ça. Roland Moïse n'a dit tout leader conséquent tout peuple haïtien crise ça nous gain là son crise pluridimensionnelle ça veut dire son crise côté que nous pas gain aucune institution qui existait qui a fonctionné dans pays là toute institution nous pas me en faillite toute institution crasée démolie et bien pour ça li mandé pour nous faire ça en état généraux pour une fois convoquer ça en état nation pour nous chita ensemble pour nous définir vrai problème paysan pour nous définir
pour nous joindre des solutions propices dans la situation à traverser là. Toujours selon dirigeant politique là, secteur jeunesse là doit mettre main en patte là, yon façon pour aider pays à sortir dans situation là honte li trouver le journée jodi a. En plus, n'a lancé un vibrant appel à jeunesse haïtienne. N'a fait jeunesse haïtienne nan konnen ke tout à travers monde là, tout pays, toute révolution qui fait c'est jeune qui fait. Thomas Sankara, lorsque l'étape goumen pour te libérer Burkina Faso, c'est jeune garçon. Et Fidel Castro, Cuba, Che Guevara. Et si nous prenons Nelson Mandela pour Afrique du Sud, c'est pas l'été fin grand monde l'étape goumen. Malgré la trie accord politique qui signé par ci par là, et Chita parlé qui continue à faire dans le pays d'Haïti, soit en Haïti ou bien à l'étranger, cependant, rien pas jamais changé dans la crise manche longue, ça a côté c'est insécurité, la richesse, grand goût chômage, pour nous dire ça yo seulement, c'est eux même qui continue à faire actualité chaque jour, bon Dieu, mette dans le pays d'Haïti. Jacques Smith, TAC 509. Merci Jacques. Nous avons rencontré avec la presse vendredi 16 juin, clinique universitaire Wanamet, juge de paix suppléant tribunal Wanamet, Renaud Pierre, te dressé constat légal, moun qui te mouri dans incident qui te produit dans compagnie industrielle développement Code Vie, jeudi qui te 15 juin. Pour tes explications sous incident, juge Renaud déploré façon yo te traité cadavre victime yo. Li fè konnen, li pa ko ka bay yon bilan exact sou quantité moun ki victime nan incident ki produit 15 juin. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ni rive identifié ki unité nan la police la ki te tire moun yo. Li mande autorité ki pral assire poursuite dossier pour utiliser caméra surveillance espace la pour identifier coupable yo. Pendant le fait konnen, gagné des sous-commissariats qui brillaient ensemble avec plusieurs autres matériels qui détruit. Pour cette information, nous avons fait place ensemble avec Sévère. Merci Foucault. Nous avons poursuivi avec information. La police en pleine intervention dans le parage, village de Dieu. La police nationale d'Haïti n'a dit pas entendre by vague dans la lutte la menée qui visait démanteler foyer gang, notamment gang qui a opéré dans le sud de la capitale haïtienne. Dans le cadre d'opération qui enclenché, qui cible les zones village de Dieu, force l'audio a poursuivi avec intervention de façon stratégique. Côté plusieurs bâtiments qui servent comme abri pour bandits armés démolis. Parallèlement, section engin lourd PNH a continué de travailler déblément dans le niveau bissant n'importe au prince finalité pour faciliter opération policière yo coordination presse et relations publiques à travers unité production audiovisuelle les présenté par public en quelques séquences sous sujet ça sous compte à Facebook yo bataille la police livré compte nèg examen Ravine a poursuivi yo force l'audio saisi samedi un fusil d'assaut qui pour gang Grand Ravine d'après plusieurs sources policières selon sources policières ça yo fusil ça les pour gang Grand Ravine fusil Mac AK 47 saisi dans savon pistache suite avec affrontement entre la police et puis nèg exam. Faut que nous souligner depuis un certain temps zone savon pistache vignon véritable cible pour gang Grand Ravine. À cause d'un mouvement bois calé à cas kidnapping ont diminué considérablement sur le territoire national là. Pour contourner mouvement ça, bandi ont développé une nouvelle stratégie pour être capable de continuer qu'embé industrie florissante ça. D'après l'organisation Cap défendant droit moun yo, plateforme nationale pour progrès droit moun, directeur exécutif Esiktisa prend comme exemple enlèvement journaliste Marie-Louise Sibonom nan tabar, attaque sa qui fait contre résidence président parti Réveil d'Haïti, pasteur Maurice Lapierre, ak ancien sénateur Karl Murat Cantave et puis plusieurs autres cas qui similaires qui enregistré dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. Militant droit moun Jackson Pierre Noël dénoncé passivité équipe pouvoir en place là. Face à ce phénomène de sécurité, il a lancé appel à la population dans l'idée pour mobiliser et pour capable de défendre tête contre Neg Axam. L'autre information toujours sous même genre de dossier, ça yo, la police nationale a annoncé yo arrêté Sibonet Michel, Wilbin Georges avec guérissement aux douanes dans le cadre d'un dossier qu'il y a avec la dernière découverte ZAM avec munitions dans la douane Port-au-Prince. Selon la police qui dit li saisi tout yon fusil dans le cadre d'audition qui était fait dans DCPJ, gain Sibonet Michel Wilbin Georges qui conduit avec arrestation mardi 13 juin à Delma, guérissement aux douanes, destinataire colis.
De l'autre monde, parmi eux, un pasteur qui a vécu dans le pays États-Unis activement recherché par l'agence de coopération FBI, actifé dans le cadre d'affaires SILA, d'après PNH. Là. Plusieurs armes et munitions ont été découvertes pendant une fouille vérification qui était faite pendant la période qui allait entre 7 pour 13 juin 2023 par agent douanier qui supporté par enquêteur DCPJ BAC sous demande AGD dans un conteneur suspect qui était sorti Floride dans l'entrepôt. Douyol. République dominicaine démenti vendredi comme quoi elle a autorisé l'installation sous territoire li yon bureau canadien pour répondre à quel besoin police nationale d'Haïti. Déclaration sa yo te proposé sur Twitter par ministre Relations Extérieures Roberto Alvarez qui également soutenu gouvernement pat discuté sur question comme ça. Sa gouvernement canadien dit réseau Radio Canada yon entreprise à communication qui finançait grâce à contribution l'État annoncé jeudi. Gouvernement canadien pral ouvrir un bureau en République dominicaine parmi mandat principal yo si répondre à quel besoin police nationale d'Haïti. Seule force police qui appelait pour capable intervenir pour rétablir la paix dans le pays. Canada a révélé l'a continué chercher un endroit pour installer un bureau d'aide en Haïti. Suite avec refus République dominicaine pour capable autoriser installation un bureau coordination assistance à sécurité internationale by Haïti, ministère canadien affaires étrangères l'a indiqué, l'a continué travail avec 20 pays et puis organisation internationale pour renforcer police nationale et puis augmenter sécurité. Selon journal britannique là, Canada a souligné li a kembe conversation en cours pour capable finaliser yon emplacement pour capable soutenir travail groupe en proximité géographique. Canada continue chercher yon endroit pour installer yon bureau d'aide en Haïti. Autorité canadienne yon pap établi n'importe côté dans Caraïbes blanc. République dominicaine déclaré vendredi qu'elle pas discuté ni convenu ni accordé autorisation by Canada pour établir yon bureau sous territoire national pour capable coordonner aide internationale dans les affaires sécurité by police nationale d'Haïti. Une organisation non gouvernementale Gol Haïti qui observait gain diverses organisations de base qui besoin renforcement pour aider réduire violence communautaire. Observation ça fait suite avec implémentation un projet qui portait sous besoin à prévention incident dans quartier qui contrôlé par groupe armé. Mécanisme remonté besoin à prévention incident protection dans zone difficile accès zone métropolitaine Port-au-Prince c'est titre ça projet ça qui était exécuté durant période qui sortit mois juin 2022 arrivé mois mai 2023. Activité projet ça été réalisé dans quartier Sayo, Badelma, La Saline, Belay et Matissan. C'est pour collecter données sur monde qui victime groupe armé yo, violence sexuelle, blessure par balle, enrôlement timoun dans groupe armé yo ak déplacé interne. De l'autre côté, exécuter micro projet réhabilitation espace socialisation takou, réhabilitation bloc sanitaire dans diverses écoles, rénovation centre santé ak construction terrain basket ball. Yon total 19 organisations communautaires de base ak 20 points focal indépendants, c'est-à-dire notables ou bien moun influents dans communauté te ciblé, te chargé pour capable réaliser activité programmée ça dans quatre projets ça. C'est ça, Enso Jacinthe, manager accès humanitaire pour Gol, a été expliqué. Dans fin projet ça, ONG recommandé by l'État et puis Agence Nations Unies pour travail dans le domaine de réduction violence communautaire, financer l'autre projet similaire, mettre en place et six types qui pris en charge pour victimes violentes et puis impliquer organisation de base en exécution projet yo dans la communauté ciblée. Parallèlement, Gol Haïti observé qu'il y a une organisation de base qui a un grand besoin de renforcement relatif à formation sur protection contre violence, gestion projet et rédaction rapport d'après Enso Jacinthe. Nous poursuivons avec information que les Nations Unies qui lancent vendredi un appel par les donateurs internationaux pour capable gagner l'argent en toute urgence en l'idée pour lutter contre la crise alimentaire qui gagne en Haïti. Côté presque 5 millions de monde touchés à cause d'un grand goût, parmi eux 1,8 million en grave danger. Situation en Haïti a été abordée pendant une réunion spéciale Comité économique et social Nations Unies. Pendant réunion ça, président ECOSOC la lâché Zara Stoeva avait si crise pays a connait dernier temps ça li aggravé après récent tremblement de terre et inondation yo. Haïti besoin attention urgente déclaration Stoeva qui souligne plan humanitaire ONU conçu
pour année ça. Jusqu'à présent, il gagne seulement 20% dans 719 millions de dollars budgétisés. L'insécurité alimentaire vient aggraver à cause crise économique, là, catastrophe naturelle à cause chute production agricole, là, aggravée à cause augmentation violence gang. Gangou atteint un niveau record 4,9 millions de monde, soit presque moitié population souffre insécurité alimentaire grave. Ça inclut tout 1,8 million de monde qui risquent sérieusement mourir gangou, d'après sa directrice exécutive programme alimentaire mondial là, Cindy McCain, dans un communiqué publié. Selon McCain, sans fonds supplémentaires, PAM en mesure pour aider tout le monde qui n'a besoin, puis estimer au moins 122 millions de dollars nécessaires pour 6 prochains mois. Dans poursuivre avec information, samedi, c'était funérailles étudiante Danaïka Duplan qui était tout été le 5 juin passé. Funérailles étudiante finissant dans la séance juridique, là, Danaïka Duplan qui était tout été le 5 juin passé, chanté samedi 17 juin. Ma famille, amis et étudiants, te prend pas dans la cérémonie, ça. Une frère défunt là, te prend la parole dans circonstance et puis retourner sous vie jeune étudiant là qui partit seulement à 25 l'année. Dans le discours, il présentait Danaïka comme notifié qui pas très regretté pour te prendre une telle décision pour te mettre fin dans la ville. Il retourner sous expérience de fin là, par couli, action était posée dans l'idée pour t'aider l'autre monde. Danaïka Duplan qui était tout était à 25 l'année, était étudiante finissante en sciences juridiques avec journaliste. Elle était également donneur volontaire de ça. Avant la mort, t'es écrit une lettre pour l'expliquer bien fondée décision ça qui laisse proche Léo dans une douleur indescriptible. L'autre dossier dans le journal la organisation doit clavier mon DVH qui veut jeter contestation qu'a faite contre soi maître Arnel Rémy comme représentant société civile dans la CSPJ. Yon série contestation qui pas gain aucun fondement d'après coordonnateur général DVH là Johnny Silneus qui mandé CSPJ avancer avec processus là pour permettre avec maître Arnel Rémy investi dans fonction là en côté Johnny Silneus pour plus de détails. L'exécutif doit jumer, doit il arriver de DVH, nous te participer et nous connaît processus là bien. C'est normal. Donc puisque toujours il y a des protagonistes qui t'ont toujours pensé, secteur lancé eux même qui pour désigner, mais loi qui créé pour désigner un monde pour aller dans CSPJ, OPC t'est accepté. C'est loi ça pour le service avec pour le marché. Donc c'est raison pour laquelle donc même lorsque un groupe cap protester, c'est pas protestation nous mais de préférence nous mander CSPJ pour appliquer la loi et pour installer Mme Rémy parce que OPC lui-même déjà fait travail par là et nous féliciter encore une fois OPC qui te prend décision ça pour te prendre temps pour te choisir après élection on te fin fait pour te choisir trois mounes, c'est ça loi dit on choisit trois mounes. Dans trois mounes ça on choisit vous OPC. OPC lui-même qui pour choisir une dans trois mounes ça yo. C'est pas une question de vote ou de fait, c'est pas une question de position de l'élection, mais c'est une question de OPC à choisir un monde, il va regarder qui critère lui-même après toute démarche, il va le faire pour qui est-ce qu'il choisit. Et nous féliciter OPC parce qu'il fait choisir Anel Rémy, mais Anel Rémy, après tout combat, il y a mené même Jean-Frère Lance, tout parler de détention. Et il y a d'autres choses encore. Donc on pense que nous vivons dans cette situation là. Côté justice, là, donc il n'y a pas qu'à camper encore. C'est vrai déjà clopin, mais il faut qu'on fasse façon pour l'avancer. Donc nous demandons avec CSPJ donc pour continuer le travail là et pour faire installation dans un bref délai possible pour nous capable et pour nous connaître machine ça en fonction au moins pour payer à capable de l'annoncer. D'après nous, qui ça t'a retardé l'installation? Bon, ça va dépendre de OPC, c'est eux-mêmes, et pas OPC, CSPJ. OPC lui-même déjà fini. C'est CSPJ qui a lui-même, puisque nous connaissons responsable. Donc, il était dans le forum à gauche, forum à droite, peut-être, il y a temps pour prendre pour faire ça. Donc, nous-mêmes, nous demandons. Pressé pour être capable de faire installation et puis nous connaître le processus ça, partie ça, nous finir avec lui. Et puis, DVH lui-même a continué à faire travail. Travail DVH, c'est faire formation pour éduquer le peuple, pour capable montrer le peuple qui ça qui doit assumer. Doit assumer, ce n'est pas seulement les gros problèmes entre la police, avec le groupe de citoyens. Ce n'est pas ça seulement doit assumer. Aller au-delà de ça nous-mêmes pour nous capable de continuer de travailler par nous, pour nous capable éduquer la société. Plusieurs organisations dans la société civile, parmi les brigades syndicales contre corruption, BESAC, droit clavier, mon DVH, pour ne citer ça seulement sa désignation, M. Arnel Rémy pour aller représenter la société civile en CSPJ. C'est un bon choix au PC fait d'après le coordonnateur général BESAC, là, Sanson Dumé qui exigeait pour conseil supérieur pouvoir judiciaire, là, CSPJ installé M. Arnel Rémy pressé. On écoute Sanson Dumé dans le micro TAC 509. Mandé adressine avec CSPJ par rapport avec décision que OPC prend pour désigner représentant société civile là
Donc nous t'ai jugé bon par rapport avec depuis les décisions ça prend pour que nous-mêmes nous mander CSPJ pour prendre responsabilité à travers décision ça. Donc j'en dis hein, et n'a demandé avec d'abord n'a saluer initiative ça que OPCT prend pour que il était désigné parmi trois monde qui était sorti dans l'élection, qui était remporté l'élection, il était fait choix de mettre Anel Rémy côté que il était pensé que choix ça c'est un choix qui capable permettre que et société civile représentée au niveau de CSPJ. Et dans ce sens, nous autres, au niveau de l'ensemble organisation dans la société civile, qui gagne syndicat, qui gagne organisation droit au monde, organisation religieuse, plusieurs autres entités dans la société civile, nous avons estimé que son choix qui est vraiment important pour nous, côté que nous-mêmes, nous avons sorti une lettre d'appui avec décision ça pour nous féliciter le choix que l'OPCT fait pour que les permettre c'est mettre Anel Rémy qui a représenté société civile là au niveau du CSPJ. Et c'est dans le même sens ça, nous même encore, groupe organisation qui fait partie de l'initiative ça, nous a demandé pour que CSPJ a fait tout ça qui est possible dans le pouvoir pour faire en sorte que vous installez mettre Anel Rémy dans le plus bref délai. Parce que et normalement, nous pensons que mettre la ligne même, il était rempli conditions pour qu'il était participé dans l'élection. Hein? Et CSPJ lui-même, dans le pouvoir parler, il était ouais, nécessité pour que se mette Anel Rémy, il était choisi. Donc nous pensons que il est nécessaire pour que l'installation soit faite, pour que mettre la ligne même commence à remplir fonction pour permettre que CSPJ fonctionne. L'autre dossier, dans le journal la gain brigade syndicale contre corruption BISAC qui condamné Zak assassinat qui fait sur plusieurs employés usine factory Codevine Wanamet jeudi 15 juin 68 mai dirigeant BISAC qui voyait sympathie par famille victime yo mandé la police et la justice ouvrir enquête sur dossier ça pour arrêter puis juger coupable yo 68 mai apporter plus de précision dans micro tac 509 par rapport avec Rad Kishiyo, yo estime que responsable estime que yo pas ta droit fréquenter espace là. Yo té intimé yo l'autre pour te retourner mais gen bon nous connaît persistance moun yo et puis dès lors yo vinn faire appel avec force de l'ordre, policier surtout corps qui les polifon. Donc yo vinn bastonner moun yo. Donc nous pensons que par rapport avec situation ça yo violé droit moun yo et c'est dans sens ça et c'est ça que nous jwenn comme fait. Et yo ta di nou ki gen environ 3 à 4 moun ki perdu la vie ou gen plusieurs blessés. C'est comme ça yo retracé fè a pou nou. Bon, yo bastonné moun ki yo tiré tout. Gen moun ki atteint au niveau de tête yo et ki perdu la vie malheureusement. Et nous voye sympathie avec condoléances by famille ça et nous mandé pour autorité judiciaire yo pour avec force police là et inspection générale pour ouvrir une enquête pour sanctionner moun qui méritait sanctionner dans cas ça. Nous connaissons par rapport avec réalité grand ensemble de institutions surtout institutions internationales yo même yo gen propre règlement pa yo té exigé pour que moun yo même yo té et habillé en l'autre façon. Bon moun yo même yo insisté parce que té vinn travail. Et yo pas de prévoir ça, mais c'est pas de bon loi qui régit qui dit mais telle façon moun yo doit habiller et moun yo pas venir quand même avec bout de pantalon ou bien sandal, moun yo vêtu normal yo aller pour faire travailler et puis c'est fait ça, c'est ça qui rive. Toujours sous même dossier ça gain met Evel Fanfan qui exigeait justice pour ouvriers victimes code vio et gain plusieurs ouvriers qui assassinés puis gain l'autre qui blessé suite avec une intervention brutale et puis démesurée agent PNH accompagné l'autre nèg examen dans code vio met Evel Fanfan mandé avec autorité policière puis judiciaire pour diligenter une enquête sous assassinat ça pour que auteur et puis complice Zak ça yo capable identifier arrêter et puis traîner yo devant la justice. Image yo te choquante sur tout réseau social yo côté n'était capable constater plusieurs moun assassiné deux garçons et puis yon femme allongé sous sol là qui t'a ben dans sang yo l'autre image confirmé plusieurs l'autre monde blessé intervention brutale ça pas agent code vie lourdement armé soutenu par policiers bay résultat assassinat mérité clarifié. C'est peut-être ça, maître Evel Fanfan, mandé avec autorité policière et puis judiciaire pour diligenter une enquête pour que auteur, complice avec Zak crapuleux soit capable d'identifier, arrêter puis traîner devant instance judiciaire.
Nous avons pris direction nord-ouest pays, mais c'est toujours sur le même dossier si la compagnie développement industriel qui devait annoncer les suspendre temporairement opération Lio pendant les annoncés administration l'ouvrir une enquête sur l'incident qui passait jeudi 15 juin côté trois monde perdit la vie. Correspondant nous dans le département nord-est pays chez nous aussi n'a dit nous plus. Compagnie industrielle Codevi annonce li suspend temporaire opération Lio après incident qui était enregistré jeudi 15 juin 2023 qui était la cause la mort trois travailleurs dans parc industriel Codevi. Compagnie annonce yo suspend temporaire opération Lio, li insiste yo enquête a mené dans note pour la presse qui publié jeudi 15 juin 2023. Compagnie développement industriel Codevi qui trouvait dans commune Wanamet au niveau de départ Tomono de cela dit li regrette pour le faire population connaît raison qui fait affrontement qui te gagné entre agent police nationale d'Haïti à un employé PAC là dans date 15 juin jusqu'à présent arrêté inconnu. En plus de ça Codevi fait connaît yon enquête a fait dans niveau administration qui pas participer dans événement yo li fait connaît li déjà évacué tout personnel compagnon toute opération yo suspend temporairement jusqu'à ce que événement clarifié dans note pour la presse. Si la Codevi pas faire aucune mention de implication agent sécurité yo d'après ça le dit c'était une discussion entre agent sécurité Codevi ak travailleur qui était la cause incident ça yo côté trois monde perdit la vie yo deux mouri ak balle dans tête yo l'autre mouri tout fait ak gaz lacrymogène force de tap tiré compagnon dit li kembe engagement pour protéger ak sécuriser employé yo pendant li promettre pour supporter tout monde qui affecté dans incident. Dans sa yo, Codevi pa fè aucune mention de travailleurs qui mouri dans l'institution même et syndicalistes yo dénoncé et puis déploré banalisation la vie travailleurs yo. Depuis commune Wanamet, département Nord-Est, pays d'Haïti, Cheno Rosny pour TAC 509. Merci Cheno Rosny, gen conseil l'ordre avocat Port-au-Prince qui condamné comportement maître Caleb Jean-Baptiste qui semblait t'a diriger une arrestation. Ayel Johanna Claire Yizrek en appel les 5 mercredi passé. Si un comportement troublant qui échappait à règle regrette conseil dans note yo publié 17 juin. Dans notre ça conseil en dit il capable constater à travers une vidéo largement partagée sur réseaux sociaux côté homme de loi t'a intimé l'ordre avec un prévenu pour suivre agent PNH même en étant pied à terre puis yon tenue qui pas appropriée. Conseil a profité pour préciser maître Jean-Baptiste pas ça pas inscrit sur aucune liste avocat en exercice les incompatibles en exercice. En effet, il demandait avec un commissaire administration fédération barreau d'Haïti pour saisir conseil discipline barreau à maître Caleb Jean-Baptiste hier pour statuer sur ça les faire. Dans notre ça conseil l'ordre d'avocat Port-au-Prince menacé pour prendre et puis dans un plus bref délai mesures appropriées à circonstances dans exercice mission régulation profession. N'a pas appelé Yael Joanne Clériez Rec arrêté mercredi en appel les 5 par force l'audio suite avec une plainte qui était déposée contre lui-même pour escroquerie émission faux chèque à chèque à chèque sans provision by commerçant quête dollars américains. Dossier politique dans le journal là, il y a un bureau suivi à Kwa Montana qui présentait bilan participation yo dans sommet dans pays Jamaïque. Acteurs yo mettez yo d'accord pour une nouvelle gouvernance intérimaire d'après Magali Komou Deni qui portait précision sur critique en pile mon affaire sur rencontre là, yo dit qu'il était doit faire dans pays d'Haïti. Magali Komou Deni expliquer ça qui est important c'est pas espace là mais plutôt au niveau consensus qui a dégagé entre différents acteurs. En côté Magali Komou Deni pour plus de détails. Quel que soit côté discussion sous pays nous a fait de manière sérieuse et dans le respect n'a là parce que c'est seul gens justement pour empêcher que c'est l'autre qui a décidé pour nous. Pour qui ça les yo t'ai invité en Haïti nous pas aller nan bagaille à CTA pour que ça été invité nous pas aller et puis nous d'accord à Jamaïque n'a demandé RCTA et gouvernement qui t'est organisé là bail la presse preuve que nous t'ai recevoir une invitation mené preuve bail la presse côté li formellement invité Montana. Si yon cap anonyme a circulé sur réseaux sociaux, nan circulé sur réseaux sociaux, li tombe sous boîte nous sans aucune sans identification de même origine. Tant que yon invite ou non réception, vous êtes attendu à les au besoin nous, yon comme côté pour yon écrit nous pas gen yon courrier qui t'a prouvé que nous te recevoir invitation. M'pas dit si m'te recevoir, nous t'a pralé ou bien pas t'a pralé. C'est pas de ça m'a discuté. Peut-être moun d'aka dit plus gen en pile moun qui dit la montagne a accouché d'une souris. M'pas kon ki ça au monde te pensé
nan 3 jours de discussion qui grosse choual ou bien bœuf qui t'a accouché au lieu d'une souris. Un dialogue, c'est une négociation, c'est un processus. Gouvernement te prend disposition pour pas continuer chita par la moun encore. Li ba annoncé Adelantel, la fait CEP, la prend un ensemble de initiatives que pour nous remarquer que gouvernement ça pas gagné aucune opposition de blocage en face li qui empêchait avancer dans initiative. Gouvernement précédent te gagné. Il était une réelle opposition de blocage. Mais opposition de blocage, gouvernement précédent, c'est lui-même qui est au pouvoir kounyen. Et pas gagné moun qui empêchait yo fait aucune initiative que vous prend ou ka dénoncer une initiative comme même gens chaque leur yo pon décision nous pensons qu'il pas dans intérêt pays a comme on t'en a dénoncé mais ça permet bon bagaille qui clarifier chaque leur gagnon forum international sur Haïti bon grand acteur qui présent et qui fait plébiscite tête li c'est acteur 21 décembre non c'est première fois bon forum international qui baille de l'autre voix qui pour parler qui sa complexité réalité haïtienne nan yé. C'est chaque fois 21 décembre un gros consensus mais pas jamais gon parole qui montrer réalité a. Et gon ensemble d'acteurs dont Montana qui était invité qui permettent montrer réalité a. Et réalité a c'est qui ça? C'est un gouvernement qui est en place depuis presque 2 ans qui a annoncé plusieurs fois déjà nos premiers accords. Mais ça le pral fait propre lui-même qui fait propre accord par qui ensemble a propre signataire par eux qui organisé pour partage gâteau qui gain poste ministre même entre eux-mêmes yo pas respecté. Là nous penser que style gouvernance ça nous-mêmes rôle nous c'est pas à renforcer c'est modifier pour permettre pays en pour l'autre cap et là ça c'est première fois tu une instance internationale côté de grand ensemble entité politique ensemble d'organisations société civile qui te porter même parole là et c'est quoi ça nous kawe un document qui sont documents de circonstances pour que pour te marquer qui te qui ton trace que tu gain parole ça qui te porter qui signé ensemble un point qui c'est point nécessité changement gouvernance c'est pas yon coalition politique, c'est pas yon un front politique. Gen secrétaire général parti politique uni nan qui estime c'est une bonne initiative à sommet qui était fait dans pays Jamaïque là même s'il reconnaît yo pas abouti à résultat yo té espéré. Candidat pour poste président dans dernière élection qualité plus bon si c'était en Haïti rencontre ça té déroulé pour l'idée politique là l'important pour discussion capable continuer dans l'idée pour joindre bout à crise qui gagne en da pays en côté Clarence Renoir. Rencontre Jamaïque était intéressant dans le sens que pour la première fois nous avons eu l'occasion de réunir haïtiens ensemble qui sont dans tout secteur n'est capable de dire dans la vie nationale. C'est son bon bagage que lié. Que nous n'avons pas l'occasion ça souvent. Malheureusement, c'est jamais écrit et fait. Parce que si c'était fait en Haïti, il était mieux. Maintenant, pour moi-même, ça a son point fort dans la question. Maintenant, il y a un point faible là-dedans tout. Point faible, c'est que il y a des gens qui sont déçus. Moi-même, tout le monde qui est déçu. Parce que moi, je fais tout ça me capable pour que nous te sortis avec un bagage dans la réunion ça, dans le sommet ça, pour que le peuple là soit capable. Bon, bonne nouvelle, nous voter pour lui. Bon. Malheureusement, il y a des gens qui accrochent à la position qu'ils ont gagné dans le pouvoir, qui ne veulent pas faire un pas en avant, qui fait que nous pas arriver à jouer nos solutions. Mais, m'estimer qu'il y a quand même des avancées qui fait. Avancées à d'abord, c'est le fait que nous t'es capable de parler ensemble, non? Nous, échanger de manière civilisée, non violente, c'est bon, même si parfois il y a des montées de tension dans la salle là, mais pour moi-même, nous pas une alternative à dialogue. C'est dialogue pour nous faire, même si Jamaïque n'a pas réussi, il faut nous continuer toujours. C'est dialogue qui peut mener nous vers une solution pacifique et durable. Maintenant, il y a des positions qui claires, qui exprimées. Position, c'est que le nous garder presque 2 ans pour le ministre de pouvoir, nous pas un résultat. Notamment en matière de sécurité, parce que le pays a été invivable pendant le premier ministre sous pouvoir. Mais la raison politique fait nous dire, on regarde comment nous sommes capables de faire une cohabitation. Et c'est ça, nous sommes capables de dire que unir l'autre parti politique qui c'est une déclaration que nous faisons, qui est les déclarations de Kingston, là, nous dit, on mette sous pied un pouvoir bicéphale, qui est capable de prendre forme que dans la discussion, dans la négociation, la jeune qui est meilleure forme pour le jeune pour le pays. A. Qui va permettre nous équilibrer le pouvoir et ça va permettre tout que gouvernance qui va l'instaurer permettre qu'il y ait des mesures qui prennent concrètes pour nous commencer à travailler sur la question de la sécurité et l'autre type de mesures que nous devons prendre tout
pour arriver à redresser le bac économique pays. Ya. Même j'en ai besoin de redresser, je suis capable de dire bac politique là pour que l'institution soit capable de tourner en place. Chaque monde sait qu'il y a une opposition sur le Jamaïque sans rien, mais la rencontre en soi, son bagage que vous n'êtes pas capable de reprocher au monde d'est-ce que vous avez parlé avec l'autre. Il faut continuer à parler. PIA, il n'est pas pour Dr. Ariel Henry, qui est premier ministre, pour le Kembel pour lui pour tout le temps, vital éternel. PIA, c'est pour nous toutes liés, il faut nous discuter avec lui tête pour tête jusqu'à ce que nous joignons ça qui est plus bon pour Haïti. Si ça veut chercher ça qui est plus bon pour Haïti, personne ne va doué ni accrocher au nom pouvoir pour qu'un belle dire pas blaguer, ni l'autre monde pas doué dire m'a la l'eau mettre à terre sous pouvoir par la force pour me prendre la main pour nous gommer ensemble. Non, le pas bon. Maintenant, souffrance population hein, et problème de sécurité qui est dans le pays, hein, impossibilité pour nous déplacer, te dit nous-mêmes, dans le monde qui s'y a une déclaration, ça a, qui a plusieurs partis politiques là-dedans, il faut apprendre à faire des concessions. Ou capable là-dedans, nous dit justement, même si nous dit faut qu'on un gouvernement avec un premier ministre, mais nous d'accord majoritairement pour que le premier ministre Ariel Henry capable d'être en place, ni, mais faut qu'il y ait un conseil présidentiel, il y ait un collège présidentiel, il y ait un HCT qui a plus pouvoir, plus attribution présidentielle, mais faut qu'il y ait une instance supérieure qui soit tête gouvernement, qui pour équilibrer le pouvoir, pour créer confiance dans l'État acteur et dans l'État population, pour résoudre le problème de sécurité et pour mener nous vers des élections pas contestées. Pour ces députés à Rodon bien-aimé, échec à sommet Jamaïque lancé en montagne et puis profiter à annoncer à continuer à demander un vrai chita parler à un protagoniste. On s'est parlementé à demander à Claude Groupio de parler de rester dans le pays du temps en côté à Rodon bien-aimé. Nous sommes dans le sommet à la Jamaïque. Côté tout le monde qui est dans la tête, que chita ça tape côté un bagage de bon, un bagage positif pour le pays. C'est avec déception que je vais retourner la caille. Parce que moi, honte. Parce que les gens de l'homme, pas tout le monde compte sur nous pour faire un bagage positif pour le pays. Et puis pour nous arriver. Nous chita, nous parler, pas arriver à entendre nous. Malheureusement, nous retournons bredouille, mais comme c'est là quand même on tourner, on obligé de tourner. Mais pour moi-même, c'est une déception pour moi. Souhaitons que l'Esprit de Dieu saisisse nous, tout pour le faire nous prendre conscience, et puis pour nous refaire chita, nous avons venu là pour nous dire le plus rapide possible, en redouter pays. Donc, un vrai accord, consensuel, accord, l'âge, côté tout petit pays, d'accord avec, et puis pour nous capables d'avancer, parce que si Blanc tape son bagage, pour nous faire déjà, proposition qui est faite par plusieurs groupes, parce qu'il y a plusieurs groupes. Le premier ministre a dû faire une proposition, et l'homme qui proposition par là, il y a des points similaires dans l'autre proposition. C'est pour nous d'accord. Nous pas guichard de guerre pour nous détailler dehors. Nous pas mettre copier la tête dehors. Et Blanc va faire tweet pour nous. Eh bien, c'est trois possibilités, ça va être de guerre. Nous avons un million de Josia. Eh bien, c'est chita pour chita, chita belle. Des projets au sérieux de monde de guerre depuis deux ans là. Agenda, collège présidentiel avec cinq membres depuis deux ans. Il va monter, il va descendre. Il a des résultats. Et puis nous étions dans la télé la donne, nous étions dans la partage la donne toujours. Nous allons jamais bouger pour nous dire bon, on garde derrière, on garde devant, on fait l'autre calcul. Si nous chita avec, nous chita parler, nous chita parler, nous avons un temps. Gardez notre perte du temps, gourmet, manifester, mais il y a deux ans là. Alors que si depuis la première, à un lieu, nous avons dit, mais limite ou un an pour faire l'élection, dans laquelle l'élection est faite, et bien aimé, moi comprends la proposition là. Mais ça m'a dit, si nous faisons un gouvernement qu'on y a, pendant une semaine ça ou là, ou bien moi ça ou là, et puis après deux mois, l'autre groupe qui dit nous fermons au dehors, nous n'avons pas de volonté pour nous collaborer avec eux. Il prend patience pour le chita parler avec eux jusqu'à ce qu'il y ait autant de raisons. Et moi-même, je vais faire l'élection le plus rapide possible. Depuis que je fais l'élection, je vais prendre l'élection. Alors, dans ce sens-là, c'est le monde qui est dans le gouvernement qui doit expliquer pour dire qui raison qui fait, il va boucher tout, qui raison qui fait, il va combattre l'insécurité, qui raison qui fait, il va combattre la richesse. C'est eux qui ont responsabilité, ça, c'est eux qui ont obligation, ça, parce qu'il y a un gouvernement qui est en fonction, qui est en poste, ils ont une obligation de résultats. Gain ancienne sénatrice, c'est mes fils Gilles Soubopal qui croit réunion Jamaïque avec la fête derrière de la loi, et puis ça gagne deux l'année depuis le pays a fonctionné comme ça. Pour ancien parlementaire, c'est une élection qui permet le pays à retourner sur route légale là. En côté, c'est mes fils Gilles pour plus de détails. Même avec nous toutes, nous constater une transition très longue qui est engagée dans le pays. Ça fait environ deux ans. Même Jacques, tout le monde nous constate que il y a tout un investissement de l'international qui te facilité une réunion entre des Haïtiens de plusieurs, issus de plusieurs accords, il y a un pays dans les Caraïbes là, qui c'est Jamaïque. Population haïtienne a gagné un comportement, d'abord vis-à-vis organisation, rencontre ça, personnalité qui t'a participé dans la rencontre ça, yo même, on dit,
comment nous parlons repenser pays. Parce que le fait même de voyager, aller en Jamaïque, côté que moun qui n'a pouvoir exécutif là, moun qui n'a différents accords que yo fait yo, y aller Jean Otalea, ça veut dire nous t'avons dit ça et nous croyons lui confirmer là que Monsieur Damio y arrivait Jamaïque, y arrivait avec toute tendance, tout accord, y était détend, y était défend, y était attend y sur lui et puis y retournait même Jean Otalea. Ça veut dire pas de guiné comme parole l'a dit, y ont pas quitté, y ont pas nago, n'ont rien en termes de ça a été gagné comme vision dans ce pays l'autre choix. Nous montrer un le, devant le monde entier, nous pas en mesure pour nous prendre des mesures, pour nous prendre des décisions efficaces qui pourra défendre intérêts stratégiques population, qui pourra prendre compte problème sécurité qu'on pose, qui pourra prendre compte problème général mal cité population qui était tout depuis longtemps mais qui aggravé problème grand groupe population, problème population qui campé, qui produit pourri la caillou, qui pas qu'à joindre route national numéro 1, il pas qu'à prendre pour venir dans capitale, route national numéro 2, il pas qu'à prendre venir dans capitale, route national numéro 3, il pas qu'à prendre venir dans capitale pour venir rien. A dit au population qui trouve assigné à résidence qui la caille et que les moments stratégiques les nous besoin faire événement et ben nous fait événement population sorti événement au fait si population sorti événement au fait ça veut dire formule pour nous faire des bagailles était capable permettre que population si son politique qui en place pour pas quitter pour créer un problème sécurité pour un groupe à fond l'autre groupe pour un groupe à ramasser l'argent dans l'administration publique là pour faire quantité là pour faire quantité pour la sous élection l'elle parer pour le faire pour ramasser pour l'acheter mon yo à partir de misère condition misère yo et puis acheter un tripio puis acheter par exemple courant là où les gars OK et pas parce qu'on sortir pour sortir nous voir en grain pour nous voir pour qu'on connaît pour combien de temps nous là mais au moins ou a un cadre légal ou nayo ou plus ou moins capable poser problème constitution par exemple et là ça un cadre légal pour faire ça ou pas capable rester comme si ou juste réunir des trois moun et pour dire ou a poser problème constitution mais non ou pas gagner légitimité pour faire pas gagner légitimité populaire au moins un minimum et génération qui d'aime là tout monde qu'on a fait l'argent facile ça là dans vie facile ça au quoi la donne qui pas quoi dans travail du tout à son gros danger et mais comme je dis a gagné des mises en place qui justement technologie communication mettez en place là qui des problème parle mais qui très très utile et moi quoi gagner quelques pinga des quelques monde qui dit attention si me fait ça au moins au minimum au moins gen moun ka pwem au moins dossier éducation dans journal là n'a poursuivre nous te ba information ça avec un professeur ça Philippe Dekosa la police n'a grand arrêté parce qu'elle violait yon écolière dans Duchiti le ministère éducation nationale prend une décision sévère contre professeur Philippe Dekosa. Ministère éducation nationale prend décision sévère contre professeur Philippe Dekosa. Ministère éducation nationale n'a communiqué annoncé annulation permis enseignement nommé Philippe Dekosa qui accusé viol sous timoun dans l'école du Chiti dans département Grand Est pays. Décision ça adopté en attendant autorité judiciaire yo rendre décision sur affaire si là selon notre ministère éducation nationale formation professionnelle l'a publié. Ministère encourager tout agent éducatif pour poursuivre avec sensibilisation code de conduite dans l'école lieu et puis documents relatifs à règlement qui visait combattre la violence qui a fait soutifi activation dans l'école lieu. L'autre dossier dans le journal là, il y a un pasteur Calix Fleurido qui est installé dans tête FPH dans le cadre d'une cérémonie qui était organisé dans le discours circonstance, il remercie électeurs et puis rappelle l'importance du travail en captani dans la tête fédération. Côté Calix Péridor qui prend un deuxième mandat dans la tête fédération protestante d'Haïti. Chers représentants des meilleurs, vous m'avez accordé le 26 mai 2023 toute votre confiance en me réalisant à la majorité absolue président de la fédération protestante d'Haïti. Cela implique que brin d'espoir vient d'être élucidé pour la diffusion. Je vous remercie très sincèrement et très chaleureusement de cette confiance. La tâche que vous venez de me confier, je me forcerai de l'exécuter avec ardeur et loyauté. En vue de la revitalisation de la FPH, cependant,
Parce que les défis qui attendent le nouveau comité exécutif, que j'ai l'honneur de présider, sont nombreux. Et on ne pourra pas passer certainement les résoudre sans vos apports et vos supports. J'aurai besoin de tous vos apports et vos supports. C'est pour cela que nous comptons sur le comité sortant, l'ancien président de la FPH, Dr. Sylvain Xantus, les membres permanents, les différentes commissions, les conquérants, les membres du bureau, coordonnés par Pasteur Peter Pierre-Louis, pour nous assister autant que le pourront dans nos différents projets tels que bâtir la maison du protestantisme haïtien. S'harmoniser avec tout autre groupe faisant partie de la communauté protestante d'Haïti. La Bible nous enjoint de rechercher la paix avec tous. Hébreux 12, verset 14, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Troisièmement, s'impliquer davantage en commun, d'accord, avec les autorités étatiques pour avoir un bon environnement sain en promouvant le reboisement, l'agriculture, l'élevage, la santé. Quatrièmement, construire un hôpital de référence. Cinquièmement, développer les relations étroites avec les protestants haïtiens de la diaspora et avec ceux des institutions sœurs et internationales, encourager la propagation de la Grande Commission partout et en tout lieu. Septièmement, rendre plus effective la présence de la FPH dans les montagnes, les quartiers et les zones reculées du pays. Pierre Holland, premier vice-président en FPH, allait dans le même sens là, puis promettre pour travailler dans la tête collée à Cresse, équipe comité dans l'intérêt fédération. Côté Pierre Holland. Moi, j'étais là déjà en 2019, comme premier vice-président, moi, il y a encore pour 4 ans. Et tant que le premier vice-président, rôle moins, c'est à quoi continuer de travailler avec le secteur. Il y a un secteur vraiment qui a besoin en pile attention. Et principalement, il y a un secteur qui est divisé. Ça fait moi-même, je viens de tourner il y a quoi. Moi, je dis, et je profite l'occasion de remercier toutes mes et les pasteurs, et mes coordonnateurs, ils ont voté moins, et bien pour moi, je travaille avec eux. Et travailler avec eux, c'est pour une nouvelle vision, pour une communauté protestante qui font dans tout col, et je viens pour travailler avec eux, pour gagner transparence, tête ensemble, qui égale force. C'est travail ça, moi, je viens pour me faire en dedans et secteur. Principalement, et les malades, ou qu'on qui est important santé, c'est les malades pour qu'on est important santé. Les rasés, ou qu'on est important l'argent, et sous pas rasé, pour qu'on est important l'argent. Les grand goût, ou qu'on est important manger, et sous pas goût ou pas qu'on importance manger. Et bien, one moins comme premier vice-président dans le secteur protestant, c'est travail pour virer ça, incapable de ravager ce terrain pour le résoudre. Son virus hypocrisie, la haine, la jalousie, tout le monde est fait, tout le monde travaille pour tête, monde par le monde. Et bien, moi-même, c'est un monde qui vient travailler pour changer ça, et bien, avec transparence dans ce terrain. C'est travail pour l'unité et la transparence. Défi moral, défi spirituel, défi économique, défi intellectuel, c'est tout ça que nous venons pour faire ensemble au niveau des secteurs. Joue un rôle central. Moi-même personnellement, et ma vie travaille déjà. Comme plus monde connaît qui travaille, on fait déjà. Même si il y a un monde qui travaille dans la commune d'Elma comme maire adjoint de la commune d'Elma, nous pouvons connaître ça nous fait au niveau commune d'Elma. Même si président de la Ligue des Pasteurs de la commune d'Elma, tout pour nous connaître qui travaille, nous fait dans la commune d'Elma comme président de la Ligue des Pasteurs. Eh bien, si nous venons élu comme premier vice-président de la Fédération protestante d'Haïti, eh bien, nous venons travailler pour aider le secteur à sortir dans l'état là. Parce que je dis à des chrétiens parfaits politiques. Qui mettent dans l'état nous y là. Nous venons pour ça résoudre. Il y a une communauté protestante qui pratique la transparence, acte ensemble, et puis qui font, qui parlent un seul langage, qui agit en cours, en Christ, pour transformer la société et le pays d'Haïti. Et ça nous vient de faire. Une communauté protestante transparente, unie et forte, et parlant d'une seule voix, agissant en tant que corps de Christ pour la transformation de la société haïtienne. C'est pour nous tous faire un seul dans ce théâtre. C'est ça, ma va chercher. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou avec patience. Rendez-vous cassé, talé, conseil. Ça pour yon l'autre vidéo, 2 heures ensemble avec Yannick. Moi, Rémi Wapil, non pas M. Foucault qui a souhaité ou passer une bonne semaine dans bras papa bon Dieu. Merci ensemble avec tout staff là qui te permettent journal ça possible matin. Merci ensemble avec Sévère. Nous casser rendez-vous, t'allez comme ça. Bisous, bisous, one love, bon lundi et bonne semaine.